Voilà les amis, j'y vais là. On y va, on va essayer de voir si on peut aller dans cette dans la maison là. Parce que là je vois qu'il y a des gens ici. On va voir. J'espère que c'est faisable. Hein. Là on peut pas essayer chez les gens. C'est bizarre. On va voir. C'est parti les amis, j'ai trouvé un accès. Je le remettrai tout à l'heure à sa place. De remettre après tout à l'heure au retour, je vais voir si je peux le remettre pour pas qu'on me voit. Voilà, voilà, tac, c'est histoire qu'on me voit. Allez, c'est parti. Bon, j'ai trouvé la seconde maison. Je sais pas si elle est vide ou s'il y a des trous dedans. Donc voilà, plein végétation. Voilà, c'est incroyable. Voilà, là il y a une entrée. Je pense qu'on peut rentrer largement. J'ai vu, il y a une porte là. C'est une petite maison. Sympathique. Elle est toute petite. Hein. Elle va être assez courte. Ah, il y a un autre bâtiment là. Ok, ça marche. Et peut-être qu'il y a une porte pour aller à l'autre zone. On va voir. Et là, il y a une véranda là. C'est sympa. Voilà. Allez, c'est parti. C'est moins galère pour aller pour venir ici que dans l'autre. Il y a encore des trucs. Hein. La petite véranda là. Sympa. Oh, il fait noir là-dedans. On est obligé de mettre la lumière. Hein. Bon, allez, c'est parti. Voilà, c'est désolé. J'ai fait une bêtise là. J'ai pas filmé. Il s'est éteint en fait. Je suis dans le vide. Bon, c'est pas grave. On va recommencer du coup. Alors, comme dans tous les urbex, regardez-moi cet endroit. C'est petit, elle est petite cette maison. Mais il y a des choses, hein. Je suis choqué là. C'est dingue. Malgré la taille de la maison comparée à l'autre, bah, il y a des choses en intérieur. Je vois qu'il y a personne, c'est cool. Bon, je sais qu'elle est vide. J'ai filmé un moment où c'était vide. Il y a, la bouteille, il y a marqué vendredi, d'accord. Et là, il y a une bouteille de, elle est vide, d'accord. Sympa, elle est jolie la bouteille. Et là, il y a quoi dedans? Des petits trucs du frigo. Il n'y a rien dans le congé. Waouh, joli. Eh, mais là, le frigo, il est beau. Hein. Là, ça va, ça filme, là. Alors là, les gars, je viens de regarder ce que je trouve, là. Une photo d'une petite fille. Oh là 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 là, regardez ça, les gars. C'est un truc de malade. Oh là là. Je sais pas si je vous ferai une seconde partie. À voir, je vais voir si ce sera une deuxième vidéo, je vais voir si je vous fais une deuxième partie, s'il y aura un montage, je ferai une intro ou tout ça, je vais voir. Mais voilà, regardez-moi cette taille bouillard, comme elle est magnifique. Oh, c'est hyper vieux, il y a encore des produits, il y a encore des trucs, on va pouvoir trouver une date. Un truc mort au rat, ça, c'est un truc de rat, ça. Attendez, regardez, toit d'araignée. Oh la vache, et le petit cadre, là, c'est magnifique. Et ça, ah, c'est un truc à clé, oh, c'est chouette. Le petit compteur qui est là. Voilà, on va commencer. Quelle pièce déjà. Là, il y a un truc. Là, on ira après. Voilà, ça a l'air effondré une toit, mais ça va aller. Oh là là, les gars, regardez-moi ce bordel. Bon, on va commencer par la petite cuisine. Oh, la cuisine, les gars. Regardez le toit d'araignée. Oh, c'est au-dessus de ma tête, quoi. C'est incroyable. Il y a encore des trucs. Il y a peut-être une date déjà. 98. Voilà. 98. Ok. Déjà, c'est vieux. C'est assez vieux. Je sais pas s'il y a plus récent. Là, il y a, je sais pas si je trouverai une date sur ce lessive. Il y a le micro-ondes. Oh là là, regardez les gars. Il y a encore un truc à l'intérieur. Oh, il y a rien dedans. Il y a, je vais voir si je peux l'ouvrir. Ah, oh, il y a rien. Mais c'est, regardez-moi ce petit four. Stylé, quoi. Ça, c'est génial. On voit plus ça, quoi. C'est vieux, ça. Il y a encore... Eh, mais il y a une araignée morte, je vois. Regardez, elle est morte. Je sais pas si elle est morte. Oh là là, mais regardez-moi, c'est toi d'araignée. C'est un truc de malade. Il y a un micro-ondes. Et les bouteilles d'Evian. Il y a encore des produits à l'intérieur. Et moi, cette araignée.
C'est flippant. Si vous avez peur des araignées, je suis désolé. C'est un truc de ouf. Alors là, il y a une chambre. La chambre, elle est dingue. Elle est dingue. Regardez, il y a encore le lit. Il y a encore le lit, les gars. C'est un truc de ouf. C'est mon premier Urbex où il y a vraiment des trucs. Là, c'est mon premier, je vous le dis. Ça me fait trop plaisir. J'ai enfin trouvé un lieu où il y a des trucs. Pour commencer sur ma chaîne, bah, je suis trop content. Parce que là, j'étais désespéré de voir des lieux où il n'y a rien. Mais là, franchement, regardez-moi, c'est trois d'araignées. Ouais, elles sont mortes. Hein. Les araignées, elles ont vécu. Regardez-moi la petite poupée, là. Mais c'est dingue. Je vais voir si je peux faire des photos pour ce turbex là, parce que les endroits, ils sont dingues. Il y a, ah, apparemment, il y a des religieux ici. Il y a une croix. Moi, je suis croyant, à la base. Je crois en Dieu, donc il n'y a pas de souci. Je connais, on va pisser la tête parce qu'il y a plein des toits d'araignées, les mecs. Regardez, il y a encore des fringues. Regardez-moi ça. Il y a encore des fringues, les mecs. Regardez-moi ça. La personne a abandonné tout ça. Regardez-moi la poupée. Elle est flippante. Ah, il y a une araignée vivante. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là, mais le lieu, il est dingue. Il est dingue. Je pense que je ferai une seule vidéo. Parce que là, franchement, les gars, je ferai une vidéo séparément. Je pense que ça sera pas mal. Parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer. C'est un truc de dingue, je vais voir. Je sais pas si je peux. Ça me fait flipper là. Il y a trop d'araignées là. Il y a encore des choses à l'intérieur. Regardez-moi ce lit. Il est encore complet. C'est un truc de malade. Il y a encore des linges de femmes. Regardez ça. Regardez-moi ça, les gars. C'est dingue, il y a des trucs de folle. Il y a des trucs d'enfants, peut-être. Hein. Oh là là, regardez. Il y a une peau de... C'est une peau de peinture. Oh là là, regardez. C'est ce qui reste dans la malle. Il y a quelqu'un qui adorait l'artisanat. On voit qu'il y a des trucs... Ah, mais c'est ouf, quoi. Ça, c'est quoi? Ah, c'est une lampe. Ok. C'est de la lumière, ça. Je vois ce que c'est. C'est une ampoule qui permet... Un éron, je crois. Ou... Oh, merde. Ah, purée. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, la chaise, elle est blindée. On dirait que... Oh, mais c'est... Oh, les araignées ici, c'est un truc de ouf. Et regardez-moi, l'aspirateur. C'est la deuxième aspirateur que je vois, là. Attendez, c'est un aspirateur, ça, ouais. C'est exactement le même que celui-là que j'ai vu dans la ville, là. Oh là là. Regardez-moi ça. Mais tout est figé, les gars. Tout est figé, mais pas vraiment... On dirait un syndrome de Diogène, je crois. Hein. C'est obligé, là. Regardez-moi le bordel. C'est un truc... Et le petit cadre, là-bas... Oh là là, les araignées, mais c'est un coup de... Regardez-moi la maison, comment la chambre est blindée d'araignées. J'espère que je n'ai pas dans la tête. C'est un truc de ouf. Mais regardez-moi cet endroit. Oh là 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 là. Allez. Il y a des... Alors là, ici, c'est encore... C'est impressionnant. Cette pièce-là. Regarde qu'il y a eu un... Oh, la pourriture de la maison. Regardez, la table, elle est chargée. Il y a le canapé. La petite table basse qui est juste à côté. Donc ça doit être un petit salon. Une salle à manger, on va dire. Regardez-moi ce tableau, les gars. Oh là là. C'est dingue. C'est dingue. Oh, regardez-moi ça, les gars. C'est quoi ce petit meuble? Oh là là. C'est incroyable. Il y a encore les chaussons par terre. La table, il y a les... Je sais pas si c'est mise en scène. Oh là là, je vais me baisser, les gars. C'est un truc de ouf. Ah ouais, la partie toilette. Ah ouais, d'accord. Là-bas, c'est la partie des chiottes. Je vous montrerai après. Regardez-moi le plafond, les gars. Et la nature qui a pris le dessus. C'est incroyable. Elle est petite, cette maison, mais regardez-moi ce délire, quoi. Ce délire. À voir si je vous fais une double vidéo. On va voir. Je vous dirai... regardez-moi, il y a encore le téléphone. Ça, c'est... Ah ouais. C'est un syndrome de Diogène, les gars. Ça, c'est obligé.
C'est un truc de dingue. Regardez-moi là. Ça, c'est un meuble, ça, qui s'est cassé la gueule. En fait, là, le sol, il s'est effondré. Là. C'est de la terre, hein. Regardez-moi ça, le sol. Le sol, il s'est effondré. C'est dingue. On va voir. Bon, c'est des petites pièces à la con. Ah, il y a une autre. Oh là là, les gars, c'est dingue. Oh la pièce, les mecs. Là, il y a les toilettes. Je sais pas où est la salle. Ah, la salle de bain, je sais pas, ils se lavent pas ou quoi? Je vois pas la, je vois pas les, je vois pas la douche. Je l'ai pas vue. Oh, du toit d'araignée. Ah, il y a les chiottes, les gars. Les livres, là, regardez ce qui reste. Oh là là. Oh, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il est complet. Là, ça va être un salon, là. Ah, il y a une autre porte là-bas. Ah, peut-être, peut-être là-bas, la salle de bain. Je me dis, ils se lavent pas ou quoi? Ils se lavaient pas avant, si, quoi. Regardez-moi cette pièce, les gars. Oh là là, les mecs. Oh, je suis choqué de voir ça. Mais elle est, c'est dingue. Une petite maison comme ça, c'est génial, quoi, en fait. Regardez, il reste encore le... Il reste la lampe et Georges Saint... Saint-Marie... Ah, ouais, je te dis, c'est des croyants. Il reste encore la petite lanterne. Et les canapés sont... Les fauteuils sont dingues. Le canapé aussi, là. Oh là là. Pff. Il reste le cadre. Oh là là, regardez-moi cette pièce. Et les toits d'araignée. Et regardez, ouah, mais cette date, hein. Regardez, on voit encore la valise des qui date. Hein. 80, les années 90, 60, 80 au moins, je dirais. Parce que l'endroit est incroyable. Et est-ce qu'ils sont complets, là, cette fois? Oh là là, regardez ma première urbex où je vois le placard blindé. Regardez-moi ça, les mecs. C'est incroyable. Regardez-moi ce délire. Mais c'est un truc de délire, quoi. Il reste un cadre. Ah ouais, sympa. Attendez, je mets la main droite, je trompe moi. Regardez. Oh là là, regardez. Il y a encore un jeu société, course aux mots, jeu de lettres, ok. Ah, je sais pas si je connaissais ça. J'ai connu. Mais regardez, il reste les fringues. Oh là là. Incroyable. Les fringues, les mecs. Et le placard, il est beau, hein, franchement. On va laisser comme c'était. Là, il y a quoi là-dedans? Il reste des trucs. Oh là là, mais regardez, je peux même pas l'ouvrir tellement c'est le bordel. Il reste des trucs. Hein. Il reste du bordel, les mecs. Ah, ça par contre, ça vous savez tous en urbex, c'est pas des vraies plantes. Hein. C'est des fausses. Ça, regardez. C'est joli en plus. Ça, c'est pas des vraies plantes. C'est incroyable. Je m'attendais. Ah là, la salle de bain, elle est là. Je vais vous la montrer rapidement. Comme ça, c'est fait. Ah, il y a des toits d'araignée, les mecs. Ils se lavaient. Ah oui, voilà, la douche, elle est là. Le petit évier. Il reste des... Oh là là, les toits d'araignée, c'est dingue. Ah, voilà, regardez la grosse araignée. Mais c'est dingue. Regardez-moi, il reste des trucs. Oh là là, il reste des trucs. Il reste la serviette. Il reste la serviette. Oh là là, il reste les gants de toilette, tout est figé là. C'est un capsule temporelle, je dirais au moins. C'est ma première capsule temporelle niveau contenu. Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable. Il reste des trucs. Il reste des peignes. Oh là là, il reste des peignes. Il reste des trucs, regardez. Il reste des peignes et tout. Oh là là, c'est dingue. Tout est pris. Voilà. Oh merde. Oh putain. Ah, il s'est cassé la gueule. Je suis désolé. Ah, j'ai fait une bêtise là. Ah, j'ai cassé le. Oh putain, qu'est-ce que je suis con. Ah, il n'y a que moi qui fais les conneries. Hein. Ah, mais cet endroit est magnifique, les gars. C'est un truc de dingue. Oh là là, je vais pas rester un petit moment, tellement, il y a tellement de trucs à vous montrer. Pour une petite, vraiment pour une petite maison. C'est incroyable. Il reste, ça c'est quoi?
Ok, c'est des... Il y a des bois, des... Il y a quoi dans les cartons? Oh, il y a un... Il y a encore l'aspirateur, les mecs. Ah, oh, ça, je m'en souviens de ça, là. Ça, j'avais connu, ces aspirateurs. Ah oui, oui, ça, ça, je m'en souviens, j'avais connu, ça. Ça, mes parents, ils avaient ça. J'avais des souvenirs d'avoir un aspirateur. Comme ça. Oh là là. Oh, le, par contre, le papier, il s'est barré. C'est décollé. Hein. Oh la vache. Oh, le lieu, regardez. C'est incroyable. Attendez. Oh là là. Est-ce que mon téléphone... On dirait qu'il y a un truc dessus. C'est incroyable. Oh là là. Sur mon téléphone, c'est à cause des toits d'araignée. Mais c'est un truc de ouf. Il reste... Voilà, les toilettes. Voilà. Regardez-moi ce meuble magnifique. Ah ouais, il est dingue. Bon, allez, on sort d'ici. Regardez-moi comment c'est effondré. C'est dingue, les gars. Je vous montre la vue comme ça, là, de cette vue-là. Oh la merde, putain, j'ai plein de... Enlever le toit d'araignée qui était sur mon téléphone. C'est pour ça que je vous avais vu, il y a un espèce de truc, les gars. Tellement il y a des araignées. C'est un truc de ouf. Oh là là, pff, regardez-moi ça. C'est dingue. Ouais, il y a un trou, les mecs. Oh là là, pff. Regardez-moi ce trou. Oh, je suis désolé. Oh là là. Mais le sol, il est dans un état. Ici, c'est violent. Tout est effondré là-dedans. Tout est en train de pourrir. Oh, la table, les mecs. Regardez-moi la table. Ah ouais, non, mais c'est dingue. C'est incroyable. Là, c'est le meilleur endroit que j'ai découvert. Là, après l'autre maison. Oh là là. C'est dingue. La cuisine, elle est dingue aussi. Je suis choqué de voir ça. Attends, je vais remettre juste le cadre. Voilà, comme ça. Voilà. La petite photo de la jeune fille, là. Putain, c'est incroyable. C'est peut-être le propriétaire ou alors c'est sa fille. Je sais pas plus. Mais, wow. Petite dernière fois à la chambre, là. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez, c'est assez court au niveau maison, mais alors putain, je regrette pas d'être venu, quoi. Aujourd'hui, le samedi, je me suis dit, j'ai bien fait de venir plus tôt le week-end, comme ça, j'ai eu le temps de faire ça tranquille. Parce que j'étais voir un autre endroit dans l'après-midi, et je me suis dit, j'aurai pas le temps d'aller venir ici, vu le nombre de transports à prendre. Il fallait que je prenne le bus et tout, et c'est compliqué à chaque fois. Là, je me suis dit, je vais faire deux maisons en même temps. Comme ça, au moins, c'est fait. C'est waouh, c'est waouh, c'est un truc de malade. Regardez-moi cet endroit de dingue. Comme ça, vous avez vu ce contenu de dingue là, des mecs. C'est dingue. Bon, alors on va ressortir, les gars. C'est dingue. Je vous montre quand même la façade de la maison, quand même. C'est incroyable. Voilà. On verra pas très bien. Mais ouais, c'est petit, hein, mais c'est ouf, quoi. C'est ouf, quoi. Putain, la mise à jour, ils m'ont carrément mis cette maison, quoi. Je dis, il y a forcément un truc dans cette maison. Faut obliger. Ou alors, en voyant comme ça, je me suis dit, il y avait peut-être rien. Je me suis dit, il y avait peut-être rien. Mais c'est incroyable. Incroyable, parce que là, c'est une capsule temporelle, les gars. C'est vraiment une capsule temporelle. Donc là, la conclusion, je sais pas si je vous en fais une, mais, parce que là, j'arrive pas, je sais pas si je vais le trouver sur Internet, cet endroit. Parce que là, on va dire que là, c'est une maison, on ne sait pas d'où elle vient, cette maison. Mais l'endroit est dingue, quoi. Regardez-moi cet endroit. C'est un jardin ici. Voilà. Voilà, les amis. Franchement, je suis très content de ce turbex-là. On peut peut-être sortir par là. Bah ouais. Qu'est-ce que je suis con. Non, on peut ressortir par là. Hop. Bah ouais, qu'est-ce que je suis con. Pourquoi je passe par les palettes? En fait, j'avais pas vu qu'il y avait une entrée. Voilà. Je vais remettre la palette comme c'était. Voilà. Voilà. Tac. Voilà, les amis. C'est là ce lieu incroyable. C'est incroyable.
Bon, au pire, les amis, bah, je suis content parce que du coup, je vais faire quand même une petite conclusion. Allez, c'est par aller. Allez, c'est fait. Je pense que j'ai assez vu et je pense que soit je vous fais une vidéo, bah, je vais vous dire à la fin. Les amis, bon, voilà, je vous disais, franchement, incroyable. Incroyable ce que je viens de voir là. C'est impressionnant. Là, la maison est incroyable. C'est ma première maison où vraiment il y avait des choses vraiment intéressantes à vous montrer. Malgré l'état de la maison, c'était Walking Dead, les gars. C'était Walking Dead, c'était apocalyptique là-dedans. Alors, je vous dis, alors les amis, je vais voir si je vous fais une intro pour faire cette partie-là. En même temps, je vous ferai un montage. Ou alors, s'il n'y a pas trop, je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, parce que ça va vous saouler. Alors, je me suis dit, je vais peut-être faire en deux fois. J'essaierai de faire une vidéo, celle de, voilà, au pire, la partie là où j'étais, là, de cet endroit là-bas ou là-bas. Bah, ça sera la première vidéo où il y avait la maison, où il y avait rien de temps. Et il y aura quand même quelques images. La vidéo durera une bonne quelques minutes. Ça suffira. Et une deuxième vidéo où je vous montrerai, cette cellule incroyable. Voilà. Bon, n'hésitez pas à mettre un petit like. Au pire. Et puis, voilà. Voilà. Au pire, je vous ferai la fin de vidéo un peu montagement. Enfin, je vais voir. Je vais voir comment on va faire. Au pire, je reviens là-bas et je vais essayer de vous faire une fin de vidéo. Au pire, devant le lieu où j'y étais tout à l'heure. Voilà. Bon, allez, à la prochaine, les amis. Merci. J'espère que ça vous aura plu parce que là, les amis, cette vidéo, cet endroit-là était incroyable. Franchement, c'est impressionnant. Voilà, mettez un petit pouce, ça me fera plaisir parce que celui-là, c'est une super vidéo que j'ai fait. Vraiment galère avec des oies d'araignées, vraiment incroyable. Vraiment, là, c'était Walking Dead avec les araignées là. C'était dingue. Ah, j'ai jamais vu autant d'araignées de ma vie là. Il y en avait beaucoup. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine et portez-vous bien. Ciao les amis.